Le bateau de croisière va bientôt partir. Tout le monde est rassemblé sur le quai. Et voici nos super-héros. Passagers, tous à bord! Vite, dépêche-toi! T'inquiète pas, ils vont pas partir sans nous. Oui, je pars en voyage. Est-ce que je vais nager? Bien sûr que non. Je sais pas nager. Hello. Mais au moins, avec cette bouée, j'aurai pas peur. Les pop-tubes tournoient dans tous les sens. Forme un cercle avec. Coupe des lanières de papier mousse. Fais une boule de pâte à modeler. Dessine un joli visage. Ajoute des ailes et des antennes. Et un dard à l'arrière. Nager avec une bouée, c'est facile et agréable. Maintenant, je vais pouvoir me baigner avec tout le monde. Chloé est partie se changer pour mettre son maillot de bain. Waouh, une abeille! La petite fille adore cette bouée. Et si je faisais plaisir à cette petite? Tiens, ma chérie. La petite fille barbotait joyeusement dans la piscine. Chloé a fait une bonne action aujourd'hui. Prends une paille. Scelle l'extrémité à l'aide d'un fer à lisser. Ajoute un bouchon. De la crème solaire et de la lotion de bronzage. Découpe un modèle. Double-le avec de l'aluminium. On a un super kit pour bronzer. Chloé est sur le pont pour prendre un bain de soleil. Ah, quel super temps! Je vais me détendre au soleil sur une chaise longue. Mais d'abord, je vais mettre de la crème solaire. Profitez bien, les filles! Utilisez les parasols! Le soleil tape fort à cette heure-ci. Oh, il est trop mignon! Il me faut un super bronzage! L'aluminium réfléchissait les rayons du soleil directement sur son visage. Pfiou, il fait chaud! Chloé, Chloé, réveille-toi! Ladybug est devenue une sirène? C'est un mirage ou la réalité? Je crois que j'ai fait une insolation. Ladybug, t'es prête pour ton changement? Enlève son costume. Intéressant ça! Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Vide une trousse. On n'a pas besoin du zip. On a du tissu à sequins. Trace un motif à la craie. Prépare une machine à coudre. Et au boulot! Quelles belles écailles scintillantes! Amazing! Plie les nageoires. Et voilà! Ajoute un haut étincelant. Il y a même un collier avec un coquillage pour elle. Fabrique un masque. Sa tenue est complète. Est-ce que notre super-héroïne s'est transformée en sirène? Ladybug joue avec ses copains au fond de la mer. Passe-moi la balle! Patrick, attrape-la d'abord! C'est quoi tout ce bruit? Vous vous amusez, c'est ça? Pas tant que je serai là! Dis adieu à tes châteaux de sable! Non! C'était ma construction! T'es pas marrant! Je suis pas drôle, hein? Ce qui est drôle, c'est de tout détruire! J'ai peur, on devrait se cacher! C'est qui ce voyou? Je suis pas d'accord! Je vais te donner une bonne leçon! Oh, j'ai tellement peur! Prends ça! Ladybug enveloppa le requin dans des algues en un clin d'œil. Hé, c'est quoi ça? Va tendre notre terrain de jeu! Espérons que ce voyou retienne la leçon. Tu nous as encore sauvés! Personne n'a le droit d'embêter mes amis quand ils s'amusent! Prends un pinceau. Enveloppe-le dans du papier mousse. Ajoute une bande brillante. Assemble le moulinet. Enfile des boucles. Passe un crochet. Et au bout, un flotteur. Qui part à la pêche? Je vais attraper tous les poissons. Ça marche pas, je vais réessayer. C'est parti! Hey, mon chapeau! What?
Hey, tu cherches les ennuis ou quoi? Désolé, monsieur, j'ai pas fait exprès. Je vais te montrer comment on pêche, moi. Ça mord! Oh, non, une pieuvre! Je vais t'aider. Je devrais avoir plus de chance cette fois-ci. L'hameçon plongea au fond de la mer. Oups! Il s'est accroché au nœud de Ladybug. Tire! Aide-moi! Et à la place d'un poisson, c'est une sirène qu'il fit remonter sur le pont. Qui est venu me déranger? Oh, je suis vraiment désolée. Pas de pêche dans mes océans. Attends, tu vas où? Je veux qu'on fasse connaissance. Prends un récipient en plastique. Coupe le bord. Modifie la texture. Peins les reliefs en rose. Joli tentacule! Ajoute des fils brillants. Une méduse transparente. C'est une créature marine très particulière. Quelque part à l'horizon, je devrais bien apercevoir ma bien-aimée. Hey, c'est moi que tu cherches? C'est elle! Allez, je me lance! Chat noir plongea dans les profondeurs de la mer. Oh, mon amour! Je manque d'air! T'es pas une sirène? J'ai une idée. Good. Let's go. À l'aide! Mets ce casque de plongée. Ça fonctionne! Maintenant, je vais pouvoir profiter de ta beauté plus longtemps. Hey, la prochaine fois, pense à mettre un équipement de plongée. Le couple était enfin réuni. Ouvre la boîte. Il y a plein de Lego. Prends une brique blanche. Et une jaune. Ajoute les pièces de l'appareil photo. Le flash. Applique du vernis à ongles transparent dessus. Assemble un objectif. Peins les bandes et enroule l'objectif avec. Installe-le sur l'appareil. Accroche-le à une sangle. Chloé se promène sur le pont pour passer le temps. Oh, une machine à grappin! Je vais essayer de gagner quelque chose. Oh, pas de chance! Qu'est-ce que tu vends? Ce qu'on peut trouver de mieux. Le choix est difficile. Oh, wow. Je vais prendre ce modèle puissant avec le méga objectif. Thank you. Il est temps de tester l'appareil photo. Excellent. Oh, un mime! Prends la pose! Ok. Good. Woo. Photo de groupe! Amazing. Qui d'autre? Huh? Chat noir! Souris! Wow. Et c'est qui à côté de lui? Oh, une sirène? Oh my gosh! Le flash! Je dois rentrer, désolée. Comment c'est possible? Bye. Tu vas où, mon amour? Chloé est choquée. Chat noir est-il amoureux? Wow, I'm impressed. Petite coccinelle, tu peux nous aider? Merci! Forme un poisson. Ajoute de la couleur. Dessine des yeux et des taches. Ajoute une queue. Découpe des nageoires et fais des moustaches. Le Kwamitiki s'est transformé en poisson rouge. C'est un vrai miracle! Ladybug se prépare pour son rencard. Je dois me faire belle, mais par où commencer? L'ami, t'es méconnaissable! Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais me maquiller pour mon date, mais j'y connais rien! Tiki et moi, on va t'aider. Hello! Thank you! Le Kwami maniait le pinceau à la perfection. Et en deux temps trois mouvements, le maquillage était prêt! Unbelievable! Wow! Tu prends quel sac? Les deux sont super! Je vais choisir celui-là. Je suis prête! Wouhou! Tu vois, pas besoin de s'inquiéter. J'y serais pas arrivée sans vous. La pieuvre a attrapé une pièce. Coupe la partie supérieure. Ajoute des perles. Joli chandelier!
La pieuvre, aide-nous! Bon travail! Des gouttes de cire, des mèches? Un chandelier en bronze antique, ça crée une ambiance romantique! Chat Noir prépare son rendez-vous surprise. La déco est en place, la table est mise, tout se passe comme prévu. Enfin, presque! Les bougies ne s'allument pas sous l'eau! Oh non, y a rien qui va! La table se mit même à flotter. C'est fichu! La pieuvre vint alors l'aider. Attache bien l'encre. C'est bon. Hello. Bonjour mon chéri. Ladybug, je suis trop contente de te voir. C'est réciproque mon amour. Le couple put profiter de leur repas. Leur date était sauvée. Olaf, aide-nous à briser ce bloc de glace. Bravo, t'as réussi! Prends un petit sac. Remplis-le de glaçons. Mets-le au congélateur. La glace, ça permet de se rafraîchir quand il fait chaud. Chloé ouvrit les yeux. Un médecin se trouvait au-dessus d'elle avec une poche de glace. On dirait que t'as eu un bon coup de chaud. On va mettre de la glace sur ton front. Où est la sirène, Ladybug? Calme-toi. Je vais vérifier ta tension et ta température. J'ai vu tout un monde sous-marin. Chloé, comment tu vas? On était inquiets. What? Les amis? Bah, vous êtes pas des sirènes? J'ai dû halluciner. Des abeilles ont apporté du papier mousse. Fabrique un sac. Dessine un museau. Ajoute deux antennes. Ce sac à main stylé en forme d'animal peut aller avec n'importe quelle tenue. Chloé est allée dans une boutique pour acheter un nouveau sac. Je cherche quelque chose d'original. Regarde, on a beaucoup de choix. Lequel je vais prendre? Oh, je l'aime bien celui-là! Parfait, je l'achète! Chloé partit ensuite se promener. Une bonne glace! Je vais me prendre un petit goûter. La jeune fille s'assit pour manger. Oh non! Un voleur la suit. Il avait remarqué son sac rempli de billets. Quel sale type! Où est passé mon sac? Stop! Rends-le-lui! Oups, je dois filer! Chloé, c'est ça que tu cherches? Waouh, t'es tellement courageux! Merci! Est-ce que ce serait le coup de foudre? Ce bouchon sera utile. Fixe du papier mousse autour. Toutes ces belles fleurs! Fais un bouquet avec. Il y a un mot. De qui elles peuvent bien être? J'aimerais offrir quelques fleurs à une fille. T'es au bon endroit, on a plein de choix. Non. Il lui faut un bouquet chaud et ensoleillé. Je dois avoir ça quelque part. Oh, trouvé! Il est parfait, merci. Chat Noir laissa les fleurs devant la porte de Chloé. Avec amour, Chat Noir. Je dois y aller. Waouh, un bouquet d'un admirateur secret? Trop bien! Attends, il y a un mot. De la part de Chat Noir? Il m'aime aussi! Quel tissu ensoleillé! Dessine les contours d'une combinaison dessus. La Lilou l'a cousu. Chloé, tu veux bien l'essayer? Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique! C'est un costume de citron girl ou quoi? On va avoir besoin d'une artiste. Les motifs sont dessinés. Ça plaît bien plus à Chloé. Fabrique un masque. Voici Queen Bee. Chat Noir est venu à leur rencard tant attendu. Je suis dingue de Chloé. Mais où est-elle? Il commence à en avoir marre d'attendre. Et Chloé n'est toujours pas là. Je crois pas qu'elle va venir. Soudain, il entendit un bruissement. Désolée, je suis un peu en retard. T'es qui, toi? Ta petite copine! Non, non, Chloé ressemble à ça. Regarde! Tu me reconnais vraiment pas avec mon masque?
Oh, je suis trop gênée. Quel super date. Un bon resto avec de la nourriture délicieuse et un couple fou amoureux. Prends un bloc de polystyrène. Colle les gâteaux ensemble. Enveloppe-le dans de la pâte à sucre. Prépare le deuxième étage. Forme de petites abeilles. Ajoute une paire d'ailes. La moitié de Chloé est décorée avec des abeilles. Et celle de chat noir avec des pattes de félin. Notre poupée va avoir un nouveau rôle à jouer. Peins-lui un costume de Queen Bee. Et voilà le marié, avec sa femme. Écris leur nom sur du carton épais. Ce gâteau de mariage est vraiment la plus belle pièce de la cérémonie. Tout est prêt pour le mariage? Ils ont même apporté le gâteau. On peut souffler maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y aura pas de mariage. Chat noir devrait être avec Ladybug. Rends-la nous et ne viens pas gâcher ce mariage. Le couple d'amoureux ne remarqua rien de tout ce qui se passait. Le mariage va bien avoir lieu. J'ai un cadeau pour vous. Félicitations. On va couper le gâteau maintenant. C'est incroyable. J'ai rêvé de ce moment toute ma vie. Serre-toi. Merci beaucoup. Le mariage se déroula à merveille. Choisis une couleur. Du jaune. Détourne le patron. Découpe les pièces. Coulez ensemble. Ajoute des rayures d'abeilles et des ailes. Fabrique des antennes en utilisant un cure-pipe. Ah, c'est tellement sympa de dormir sur un oreiller en forme d'abeille. La famille de chat noir et Queen Bee s'est agrandie. Mon ventre! C'est le cadeau le plus merveilleux du monde! Vraiment, j'en suis pas si sûre. Je suis prêt à tout pour toi. Apporte-moi à manger alors. Okay. Ça te convient, ça? Non, je veux des jouets en fait. Tiens. Non, ça me fait pas plaisir. Oh! J'ai une idée. Il pourra pas m'aider. Je sais même pas ce que je veux moi-même. Chérie, regarde! Waouh, un coussin abeille! C'est juste parfait! L'oreiller abeille réconforta Chloé et elle s'endormit paisiblement dessus. Je serai toujours là, mon amour. Quels adorables bébés! Peins-lui une tenue. Waouh, un costume d'abeille! La deuxième poupée aussi a changé. Des yeux verts. Elle nous rappelle quelqu'un. Je vais inviter mes copines. Hé, hey, on n'est pas venus les mains vides. Regarde ce lapin. Qu'ils sont mignons. Comme leur maman. Servez-vous. Stop. Où sont passés les enfants? Ils étaient juste là en train de jouer avec leur Lego. Waouh! Faites pas peur à maman comme ça! C'était vraiment une soirée sympa! Fabrique un objet intéressant avec des Legos. Construis la base. Il est écrit la li lou. Le bleu et le rouge sont deux pôles opposés. Fixe les mains sur la machine. Avec cet appareil miracle, on peut attirer des objets. Et si on laissait les enfants jouer? Viens, on va se poser sur le banc. La famille de chat blanc était là aussi. Bonjour! Vous êtes venus avec vos enfants? On va aller s'asseoir. Ladybug n'appréciait pas vraiment Chloé. Je vais emmener les enfants sur l'aire de jeu. Les enfants s'amusaient beaucoup, tandis que les adultes se disputaient. Les enfants, on s'en va! Oh, vous êtes passés où? Ils ont disparu! Y'a personne ici! Là non plus!
Personne derrière les buissons. On va les retrouver. Utilise cet aimant. Ah, bonne idée. Je vais entrer les données. Je t'en supplie, fonctionne. J'espère que ça va marcher. Il y a un signal, ils sont tout prêts. Ah, vous voilà. Hourra! On a eu tellement peur. Sans rancune. Prends une pièce en plastique. Joins des roues. Fabrique une boîte en carton. Installe-la sur les roues. Recouvre la moitié d'un Kinder Joy d'une base acrylique. C'est une poussette stylée pour nos jumelles. Fabrique un jouet pour la poussette. Chaque bébé a son propre siège. C'est difficile de se balader avec deux bébés en même temps. T'inquiète pas, chérie, on a une poussette double. Chat noir se rendit au magasin de hot dogs. Ce papa a l'air heureux. Je vais prendre un hot dog, s'il te plaît. Je vais gâcher ta journée. Tout le monde va être trempé. Oh là là, quel sale temps! On va se protéger sous le parapluie. Ça va aller. Prends une vieille brosse. Fixe-la sur un manche. Décore-la avec un autocollant. Prends une éponge en mousse. Celle-ci est parfaite! Arrondis-la. Fais de la mousse de bain. Et voilà! On a un kit complet de soins pour le corps. Plie une boîte. Ajoute de la paille décorative. Mets tous les produits dans la boîte. On va pouvoir se plonger dans un monde de la relaxation. Regarde pas encore. Maintenant, vas-y! Waouh, on est au spa? Cool! Et voilà, surprise! Prends ce kit de beauté. Au miel en plus, j'adore! Merci! Let's go. Yeah. Utilise mon kit. Okay. Prête à te détendre? Ouais, prends ça. Profite bien. Ciao. Ok, on va commencer par un bain. Chloé se détendait dans un bain moussant. Des paillettes dorées, c'est magnifique. Maintenant, je vais te masser. L'arôme de miel attira les abeilles. Et un peu de crème maintenant. Oh, des abeilles! Elles bourdonnent! Qu'est-ce qui se passe? Faut pas avoir peur, elles veulent juste le sucre. Hein? Coupe le citron vert en deux. Presse le jus. C'est acide! Coupe le fond de la bouteille. Mets un autre bouchon. Les cercles tournoient autour du patron. Et... tadam! Colle une grille imprimée. Règle la température. Renforce la base en ajoutant des pieds. J'ai les saucisses. Cet arôme grillé! On va faire notre enterrement de vie de garçon. Allume le grill, je reviens tout de suite. Quelques légumes. Ça croustille! On va jouer au ping-pong pendant que ça cuit. Il jouait encore et encore, quand soudain, t'entends ça? Y a un truc qui brûle! Vite, un extincteur! Oh, tout est fichu maintenant! Oh là là, mon grill adoré! Tout ce charbon! C'est pas grave, j'en ai un autre! Wow. Super! Celui-là est encore mieux! Et finalement, ils ont pu faire leur délicieux hot dog! Arrose le jardin. On va pouvoir tout récolter.
Fais plein de petites boules. Ajoute de la texture. Prépare maintenant la crème. Elle est épaisse et blanche. Ajoute la ganache. Où est l'assiette? Décore-la avec des motifs. Ajoute un pied. Pose les macarons dessus. Mmm, délicieux! Nice! Les invités vont adorer. Oh, yummy! Salut Marinette! Hello! Regarde! Je suis tombée sur Enid et son chien. Huh? Well, hello there! Oh non! Papillon les espionne. Profitez-en tant que vous le pouvez encore. D'où vient ce chat errant? La chasse est ouverte. Pas la cuisine, mes desserts. Oh no. Oh oh. Mais qu'est-ce que ce chat a fait? Tout se passe comme prévu. Tout le monde se précipita pour nettoyer. I got it. Dites adieu à vos animaux. Où est mon toutou? C'était Papillon. Ouais, c'était encore lui. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Coucou poupée. Prête pour ton nouveau look? Yes. Perruque enlevée. Un peu de bicarbonate de soude. Du vinaigre. C'est de la chimie ou de la magie? Son ancien maquillage a disparu. Peins ses yeux. Bleu. Ajoute des pupilles. Trace les sourcils. Ils sont très expressifs. Ajoute un reflet dans ses yeux. Donne-moi ça! Des cheveux blancs. Fixe boucle après boucle. Ajoute de la laque. Trace les pièces de la combinaison. Découpe-les. Et on a maintenant un costume. Parfait. Good. Ajoute une ceinture. Quelques détails en plus. Son visage est caché derrière un masque. Une paire d'oreilles. Voici la super-héroïne Chat Blanc. Son assistant, Moustache le Kwami, est toujours à ses côtés. Papillon a décidé d'enlever tous les animaux de Paris. Je les ai tous. Ils vous entendront pas. Restez dans cette cage. C'est moi le plus rusé de tous. Tu te trompes, Papillon, rends-toi! Tu crois pouvoir m'affronter tout seul? Soudain, une mystérieuse étrangère apparut. Il n'est pas seul. Vraiment? Merci pour ton aide. Tu vas me faire quoi, hein? Attends voir un peu. Chat Blanc appela ses souris à l'aide. Souris, à l'attaque! Chatouillez-le avec vos queues. T'as trouvé mon point faible. T'as eu ce que tu méritais. Les super-héros ouvrirent la cage. Tout le monde est libre maintenant. On a réussi! Tout ça grâce à toi. On devrait être amis. La bravoure de Chat Blanc conquit le cœur de Chat Noir. Qui appelle? C'est Marinette. La Lilou, tu pourrais me faire un coffre-fort? Coupe une partie de la boîte. Couvre-la avec un couvercle. De la pâte à modeler? Non, il nous faut du carton. Dessine des carrés. Ajoute les étagères. Il est temps de passer à la peinture. Notre coffre-fort sera noir.
fabrique un tiroir. On va utiliser une couleur vive. Ajoute des points et des poignées. Il nous faut des portes solides. Ajoute quelques détails et le tour est joué. Que contient ce mystérieux coffre-fort? Hé, j'ai un secret. Ne le dis à personne. Je cache mes objets les plus précieux ici. Je sais. Chut, Tiki! Tout ça est dédié à Chat Noir. Cette photo est gâchée. Je vais couper ma rivale. Oh, mon amour. Coffre-fort garde bien mon secret. Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? On devrait essayer de comprendre. Il doit bien aimer ses oreilles. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? La Lilou, c'est urgent. Je veux être plus cool que Chat Blanc. Le masque d'abord. Détourne-le. Rends la forme plus élégante. Dessine des pattes de chat. Et... nice! Voilà tes oreilles. Enroule un cure-pipe. Elle a une queue flexible. Fabrique un tour de cou. Essaye-le. Ladybug a changé de style. Notre couple passe un dîner romantique ensemble. Cet endroit n'est pas merveilleux? Tout est merveilleux avec toi. Oh, regarde-les, ça me dégoûte. Qu'est-ce que c'était? On va s'amuser un peu. Let's go. Vas-y, petite souris, va sous la table. Are you ready? Oh, wow. Oh, une souris. Je vais l'attraper. Mais Chat Blanc, tu vas où? Oh, wow. Hey, je passais justement par là. Ladybug, t'as changé de look? Jolies oreilles! Je suis contente que ça te plaise. On devrait partir. Hey, tu vas où? Lâche-le, il est à moi! Pas question! Vous battez pas, les filles! T'as fait une grosse erreur! Il y a plein de choses dans cette boîte. Et il y a quoi là-dedans? De la pâte Fimo. Coupe un morceau. C'est des darnes de saumon. Lisse les irrégularités. Maintenant, fais-les cuire. C'est bientôt prêt! Peins la chair et la peau. Mmm, ce saumon a l'air délicieux. Des assiettes en bois? Quelle belle présentation! Ces darnes sont identiques, mais leurs assaisonnements sont différents. Qui va avoir du citron acide? Et qui aura droit à l'herbe à chat? Marinette sait que les chats ont rendez-vous. Cette fois-ci, je me suis bien préparée. Qu'est-ce que t'en penses? Même le patron du restaurant n'a rien capté. Nice. De jolies fleurs pour une jolie fille. Oh, c'est trop gentil de ta part. Oh, regardez-moi ça, il est trop romantique. Ew. Ils s'assirent à table. Vous aimeriez quoi aujourd'hui? De darnes de saumon, s'il te plaît. Très bon choix. Je vais en assaisonner un avec de l'herbe à chat et l'autre avec du citron. Les chats n'aiment pas les agrumes. Voici votre commande. Lunchtime. Je mange pas de citron. Ew. Miam, je peux le prendre? C'est trop bon. Il a un sacré appétit. Oh là là, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Chérie, on devrait rentrer à la maison, il faut que tu te reposes. Ah mais quel chat stupide! Mon plan a échoué. «
On avait une belle bouteille quelque part. Ah, la voilà. Du papier mousse ajoutera du volume. L'étiquette dit « du falac ». Mix des fruits. Bizarre cette gelée. Remplis la bouteille et visse le couvercle. C'est un laxatif. Vaut mieux pas en prendre avant d'aller se promener. Le couple s'est rendu à la clinique vétérinaire. Docteur, aide-moi s'il te plaît. Mon copain a trop mangé. J'ai mal au ventre. Le pauvre. Oh. Pas de problème. Prends du falac, ça va vite passer. Je veux pas boire ça. Alors on va te faire un lavement. Non, j'ai changé d'avis. Je vais bien. Non, attends. Quel lâche. Je suis un super-héros hyper courageux. Du sirop, pas de soucis. Erk, dégueu. Oups, je dois filer. Chat noir se sent mieux. Ça, c'est fait. C'était efficace. Thank you. Ciao. Prends soin de toi. Le couple retourna à la clinique après quelques temps. Hello. T'as encore trop mangé? No. Ah, d'accord, je vois. T'as compris? On va faire une échographie. Vous attendez des jumeaux. D'adorables petits chatons. Je suis tellement heureux. Ça ressemble pas à une cigogne, ça. On va transformer ces poupées en chatons. Lave leur visage. Good job. Peins de nouveaux yeux. Fantastic. Change leurs cheveux. Ajoute des couettes. Peins-les. Il est temps de s'habiller. Jolie combinaison. Ils ont chacun une patte colorée sur leur body. Ajoute des oreilles. Oh, qu'ils sont mignons! Bienvenue dans notre nid familial. Les enfants, ça vous plaît? Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Oh là là, mais quel bazar! Bon, tiens-les, je vais ranger tout ça. Parfait! I like it. Great job. Je vais aussi changer le mobilier. Une table allongée à la place du billard. Et des fruits frais à la place des burgers. C'est beaucoup mieux, t'es pas d'accord? Yeah. Je vais aller au spa maintenant. Pas de soucis. Mais dès que papa fut distrait, les filous commencèrent à faire des bêtises. Wow, excellent. Ma tête, j'arrive pas à les calmer. Hello. Les kwamis arrivèrent à la rescousse. Plague et moustache vont distraire les enfants. Des chips et du pop-corn. Personne ne nous séparera. Les kwamis bercèrent les enfants. Et Chat Noir put enfin se reposer. On a juste besoin du couvercle. Ponce ce qui dépasse. Peins des pattes de chat. Vertes et blanches. Raccourcis les pailles. Ajoute les pieds. Renforce-les avec des bâtons. Ajoute des dossiers. Peins les oreilles. C'est une super chaise haute pour les jumeaux. Les parents et les enfants sont dans la cuisine. J'ai faim! On devrait nourrir les enfants d'abord. Ok. Asseyez-vous, mes bébés. Et pas de bêtises en attendant. Tout est prêt. Lunchtime. Le chat sentit l'odeur de la nourriture et sauta sur la table. Il renversa tous les bols. Papa, maman, la table est trop haute. Ah, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, il nous faut une chaise spéciale. Oh, wow. Bonne idée. Les parents donnèrent du lait à leur chaton. Great. Papa et maman sont heureux. Et les enfants sont rassasiés.